le périph. Les panneaux de signalisation indiquent qu'il y a une manifestation en cours sur le périph alors que c'est la police qui bloque. Tout est fait pour discréditer le convoi de la liberté. Le rapport de force, c'est le nombre. Et comme dirait notre sinistre de l'intérieur tourquenois, sexiste et malsain à la DSK, calmez-vous, ça va bien se passer. Les convois iront ensuite vers Bruxelles ou vers Strasbourg. Et besoin aussi de les accueillir dimanche, comme il se doit à Lille. Aux dernières nouvelles, le convoi passera par chez nous dans la journée de dimanche. Il devrait s'arrêter vers 17h à l'écart. Ce sera confirmé, bien sûr. Le point de vue, ce sera au CRP. Mais les informations sont tout de même en compte. Plus fort que de partir dans l'essence. Alors, on y va. On est parti, rue Béthune. Vraiment 2018. Ah, ouais. On est parti. C'est par là la manif. C'est par là. Vous êtes trompé de sens. C'est par là. Vous êtes trompé. Venez par là. Pas de chance. Hein. Liberté. C'est par là de côté. Vous êtes trompé de côté. Mais pas si vite. C'est bien, merci. Merci.
bon. Reste calme. Reste calme, Claude François. Ça va bien se passer. La liberté a ses limites, c'est parlant. Ils l'ont dit. Yo! Barry White, yo! C'est par là, vous êtes à 20. Vous avez complètement oublié. Je comprends votre colère et effectivement sur les logements. Non, mais venez dans ma région voir les gens qui sont dans les voitures, qui dorment dans les voitures. Venez voir les gens qui mangent qu'une fois par jour. Venez voir les gens qui meurent de faim. Venez dans l'université à Bordeaux où le Crous dit aux étudiants pas de chauffage, mais mettez-vous un pull. Ils ont pas eu de chauffage, les étudiants. À 400 euros le loyer, vous croyez que c'est normal ça? Les étudiants qui se suicident, les jeunes qui n'en peuvent plus, mais... les agriculteurs qui n'en peuvent plus. Non mais j'entends votre colère. Paris, on en a marre de Paris, vous comprenez? Les régions, on en a marre de Paris. Les agriculteurs qui se suicident parce qu'il y a la grippe aviaire, qu'on leur a tué des millions et des millions de canards. Des familles entières qui sont ruinées, qui ne peuvent plus manger. Venez voir les personnes âgées chez nous qui ne peuvent pas se chauffer. C'est une honte. On en a marre des décisions parisiennes. Maintenant, les régions, on reprend le pouvoir. On veut la sécession. On veut se gérer nous-mêmes. Voilà ce qu'on veut. J'ai bien compris, Wilfried, mais alors attendez, juste Wilfried, votre coup de colère, il est très fort, franchement, enfin, voilà, on l'a pas encore entendu ça. C'est-à-dire que moi, c'est la première fois, Wilfried, pardon, que j'entends cette colère, en tout cas sur ce mouvement, la province contre Paris. Je peux l'entendre, il y a pas de problème, mais au départ, les convois de la liberté, c'est pas ça. Au départ, c'est en tout cas, c'est une lutte contre le pass vaccinal. Vous dites, c'est pas ma lutte? Ma lutte, c'est les régions contre Paris. Ok. Et vous êtes... Ça, c'est votre lutte à vous, mais où est-ce qu'elle est partagée par tous ceux qui mangent sur Paris? Les Corses, elle est partagée par les indépendantistes bretons, par les Basques. Vous savez, madame, au Pays Basque, il paraît Tarac et le terrain reparle de reprendre le mouvement. Mais où est-ce qu'on est? Pas compte où on en est. Mais les gens dans le Pays Basque, les jeunes Basques ne peuvent pas se loger. Mais Wilfried, mais on l'a dit, ça, on est d'accord. Excusez-moi. Ils ne peuvent pas vivre, les gens ne peuvent pas s'installer. Wilfried, est-ce que je peux vous poser une question ?